Au sein d'ArcelorMittal Distribution, Distil regroupe 7 usines et dépôts répartis sur l'ensemble de la Belgique, emploie environ 250 personnes et commercialise 340 000 tonnes d'acier par an. Fondé sous l'égide de Coquerille-Sambre en 1987, le groupe Distil résulte de la fusion de plusieurs sociétés, dont celle des deux plus importants marchands de fer belges de l'époque. Le rassemblement de ces différentes entreprises explique la diversité des activités exercées par Distil. Le négoce de produits aciers, le déroulage-refendage, le profilage et la réalisation de parachèvements divers sont autant de spécialités qui font du groupe Distil un partenaire de première importance pour les utilisateurs de produits sidérurgiques en Europe. Nous sommes à deux pas de Charleroi, dans la vallée de la Bièmme. C'est ici qu'en symbiose avec la nature sont implantés côte à côte Porta et Profil Steel, deux usines complémentaires du groupe Distil. Porta réalise du déroulage et du refendage, tandis que Profil Steel est une entreprise spécialisée en profilage. Par camion ou par train, Porta reçoit des bobines d'acier de grande qualité, qu'ils soient noires, décapées ou galvanisées. Le transport ferroviaire est privilégié dans le souci d'une bonne intégration des activités industrielles dans leur environnement. Les bobines sont entreposées dans un hall de stockage dont la capacité garantit l'approvisionnement régulier des deux lignes de production de Porta. La première ligne est dite de déroulage avec une capacité de 180 000 tonnes par an. Elle peut traiter des tôles épaisses de 1,5 à 10 mm. Sur cette ligne, des cisailles de rive peuvent d'abord éliminer les bords de la bande. Toutes les chutes seront bien sûr recyclées. L'acier est ensuite aplani dans le respect de normes qui autorisent une découpe ultérieure au laser. La bande est coupée à longueur pour former des feuilles d'acier. L'acier mis à plat peut être identifié par marquage en creux, ou selon le souhait du client, par marquage à l'encre. La protection du produit est également personnalisable et fait l'objet du plus grand soin. À chaque stade du processus, la traçabilité reste garantie. Cette ligne de déroulage peut fournir des feuilles d'acier atteignant une longueur de 24 mètres. La seconde ligne de Porta est une ligne dite de refendage. D'une capacité annuelle de 100 000 tonnes, elle permet de traiter des tôles d'épaisseur comprise entre 1,36 et 6 mm. Sur une ligne de refendage, la bande d'acier est coupée dans le sens de la longueur pour former des bandelettes communément appelées feuillards. À l'image de tout le groupe Distil, Porta, c'est aussi une équipe dynamique et proactive qui s'emploie chaque jour à devancer les besoins de ses clients, à offrir les meilleures solutions au meilleur prix, dans le respect des délais les plus réduits et avec un maximum de flexibilité. Ainsi, par exemple, le conditionnement des produits est réalisé spécifiquement pour chaque client et pour chaque usage. De nombreuses possibilités sont offertes. Porta prévoit aussi des facilités de stockage et d'expédition. Sa clientèle est principalement située en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi qu'en France et au Luxembourg, dans des secteurs d'activité tels que l'automobile et autres matériels roulants, la construction et l'électroménager. L'acier refendu est en outre très utilisé pour l'emboutissage, la fabrication de tubes et le profilage. Aboufiou, qui dit profilage, dit Profil Steel. Pour passer de Porta à Profil Steel, les bobineaux de feuillard n'ont que quelques mètres à parcourir. Profil Steel dispose de 7 lignes de profilage d'une capacité cumulée de 30 000 tonnes par an. L'acier utilisé est de type revêtu ou non revêtu et d'une épaisseur de 1 à 6 mm. Mais Profil Steel, c'est d'abord un personnel spécialisé qui est à l'écoute du client pour proposer, concevoir et réaliser sur mesure une large gamme de profilés. Cornières, coulisses, tubes ouverts, rails, oméga, longerons, toutes les possibilités sont offertes.
Ici, les feuillards déroulés et aplanis vont subir, à froid, une déformation progressive. La bande d'acier va connaître un pliage continu, pressé entre différents couples de galets spécialement élaborés et combinés pour réaliser le profil demandé. Ce système, piloté informatiquement, est particulièrement fiable. Il permet d'obtenir des profilés de qualité constante, de formes très précises et répétitives. Le contrôle de la coupe par détection laser donne également une très grande précision sur la longueur des produits. L'acier peut aussi être poinçonné en ligne avant d'être profilé. De nombreux types de parachèvements sont proposés par Profil Steel, qu'ils soient réalisés sur place ou dans le réseau du groupe Distil. On citera par exemple le grenaillage, la peinture, la galvanisation ou l'emboutissage. Profil Steel dispose d'un stock permanent qui permet de faire face aux besoins les plus urgents de ses clients. Cette clientèle émane généralement de secteurs tels que la carrosserie, la construction, l'aménagement intérieur ou extérieur. Nous voici à présent à quelques kilomètres de Gand. C'est sur son site de Wondelgem que Distil dispose de son plus grand dépôt. Au travers de son département négoce, Distil commercialise 150 000 tonnes d'acier par an, tous sites confondus. Dans les halls de chaque site, on trouve bien sûr des produits fabriqués par Porta et Profil Steel. Mais Distil va bien au-delà de la commercialisation des produits plats. Une large gamme de produits longs est également proposée, avec notamment des poutrelles mesurant jusqu'à 24 mètres, des aciers marchands, des tubes, des treillis soudés, des ronds à béton. Le dépôt de Wondelgem est principalement alimenté par train. Les marchandises entreposées peuvent être vendues telles quelles ou après avoir subi divers parachèvements. À Wondelgem, il est notamment possible de réaliser des coupes à longueur droite ou biaise. Du pliage, du perçage, de l'oxycoupage ou de la découpe au plasma, des confections d'ensemble soudées, du grenaillage ainsi que de la peinture. Peinture à l'eau pour le plus grand respect de l'environnement. De nombreuses combinaisons de parachèvement sont possibles. En fait, Distil est au service de son client pour le conseiller, concevoir et fabriquer pour lui un produit sur mesure. Distil dispose d'une force commerciale motivée qui est non seulement à l'écoute des besoins de sa clientèle, mais qui s'efforce aussi de les anticiper. Le dépôt de Wondelgem approvisionne principalement d'importantes entreprises établies dans le secteur de la construction. La proximité du port d'Anvers lui permet également de se tourner vers la grande exportation. Wondelgem contribue encore à l'alimentation des autres sites d'exploitation dits régionaux. Artselaar, Makelen, Hasselt, Liège et Malone. À titre d'exemple, nous allons visiter le site de Malone. Grâce à la répartition de ces sites à travers toute la Belgique, Distil veille à ce que chaque client ait à proximité tous les produits sidérurgiques et un interlocuteur d'expérience qui parle sa langue, qui connaît son entreprise et qui peut lui apporter aide et conseils. Les sites régionaux s'adressent aux ateliers, petits et grands, aux chaudronniers, aux entreprises du bâtiment ou autres, et même aux particuliers. Certaines activités de parachèvement y sont aussi pratiquées. Dans les sites régionaux, la gamme de produits est encore plus étendue avec, par exemple, des rails-robes et accessoires, de la fonte pour bâtiments, du matériel pour entrepreneurs, des passerelles, de la visserie, des murs forts, des caillebotis galvanisés et bien d'autres produits. Dans le souci de toujours accroître sa proximité, Distil mandate une quinzaine de délégués commerciaux experts en produits sidérurgiques pour sillonner l'ensemble des régions et examiner sur place les besoins des clients afin de pouvoir leur proposer les meilleures solutions. Dans l'exercice d'activités pourtant très diversifiées mais très complémentaires, l'ensemble du groupe Distil cultive une valeur principale identique, celle de toujours tout mettre en œuvre
pour satisfaire son client. La qualité des produits proposés par Distill fait l'objet de contrôles particulièrement stricts dans le respect des normes ISO 9001. Sur les lignes de production, de nombreux contrôles automatiques et manuels sont opérés à tous les stades. Des échantillons sont régulièrement prélevés pour être analysés en laboratoire. Chacun des membres du personnel de Distill est impliqué dans cette démarche qualitative, comme dans le déploiement de la TPM. Le Topo Management ouvre la route de l'excellence en cherchant à éradiquer toutes les causes de pertes, qu'il s'agisse de défauts de produits, de problèmes de surcoût, de livraison, de sécurité, d'environnement ou autre. La santé et la sécurité de son personnel sont des priorités absolues pour Distill. Chaque jour, tout est organisé pour travailler dans le respect des normes OSAS 18001. Les normes environnementales ISO 14001 sont également scrupuleusement respectées par Distill, qui met un point d'honneur à fonctionner en parfaite harmonie avec la nature et les collectivités voisines. L'application de toutes ces valeurs fait la force du groupe Distill. On n'oubliera pas non plus que Distill est constitué de plusieurs entreprises à dimension humaine, proches de leurs clients et toujours prêtes à leur offrir le petit plus qui fait toute la différence. Après tout, ce n'est pas par hasard que l'on devient le plus grand fournisseur belge d'acier de construction.